La randonnée, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, je suis originaire de la région de Chambéry. Et avec mes parents, avec mes frères et sœurs, on a fait pas mal de randonnées à la journée. Et une fois qu'on est parti de la région, on a fait pas mal de randonnées sur plusieurs jours pendant les vacances scolaires. Et donc j'ai pas mal de souvenirs que ce soit en Corse, on a traversé la Corse de d'est en ouest sur le GR Marais à Marais, dans le bassin d'Arcachon, au bord des falaises d'Etretat, dans les Alpes bien sûr, également dans les Pyrénées. J'ai également un très bon souvenir d'une randonnée avec mon père dans l'Aubrac, et j'ai également fait des randonnées avec des amis, que ce soit sur un bout du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, dans le Jura, dans le Pays Basque, et j'ai également fait ma première randonnée en solitaire sur le GR 54 dans le massif des Écrins. Ce que j'apprécie beaucoup avec la randonnée, c'est que c'est une activité qui est très complète. On entend parfois que la randonnée, c'est difficile, c'est dur. Et je voulais un peu répondre à ça parce qu'effectivement, sur certains aspects, ça peut être dur. On marche toute la journée, on a un sac à dos sur le dos, tu dors par terre sous une tente, tu manges de la semoule tous les jours, l'hygiène, c'est pas top. On peut répondre à ça en disant qu'effectivement, tu peux choisir un peu la difficulté de ta randonnée. Mais je pense surtout que la randonnée, en fait, c'est assez reposant psychologiquement en fait parce que quand tu marches euh, tu as une seule chose à penser c'est juste le fait de marcher tu as quelques activités qui sont vraiment on va dire essentielles euh, tu dois marcher euh, manger boire euh, et te reposer quand tu vas partir marcher plusieurs jours tu vas vite te rendre compte que en fait tu t'adaptes très très vite et tu vas créer une routine pour toutes ces petites tâches et euh, en fait ce que, ce que ça fait c'est que ça libère il me semble en tout cas que c'est que ça libère vraiment pas mal de place dans ton cerveau surtout des petits stress du quotidien et du coup, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ça laisse un peu la place justement à l'imagination, à la création, à la créativité. Tu peux voilà, réfléchir sur pas mal de choses, prendre du temps pour toi. Et voilà, c'est vraiment ce que j'aime beaucoup avec la randonnée, le fait de prendre son temps, de ralentir. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai apprécié dès mon plus jeune âge, que je continue à apprécier et que j'espère pouvoir faire très longtemps. Je pense que le fait d'avoir fait de la randonnée quand j'étais tout petit, maintenant quand je pars en randonnée, j'ai beaucoup de souvenirs qui me reviennent. Euh, il y a vraiment toute une ambiance autour de, de la randonnée, que ce soit euh, au niveau des odeurs, pas les nôtres, quoique, mais euh, aussi euh, l'odeur voilà, euh, euh, du soleil, l'odeur euh, de la forêt, euh, de la pluie. Euh, il y a également tous les bruits, donc les bruits euh, de la forêt. Euh, et les bruits de la randonnée donc c'est vraiment le, le, euh, le sac euh, qui cuine un peu, euh, le zip de la tente, euh, la popote euh, qu'on ouvre avec son bruit métallique, euh, le gaz qui chauffe. Euh, il voilà, y a vraiment tout un, toute une, une ambiance et maintenant quand je pars en randonnée bah, ça me rappelle beaucoup de souvenirs euh, de mon enfance. Et il y a également l'absence totale de bruit, euh, le silence le plus parfait qui existe. Euh, vraiment des silences de cathédrale. si jamais tu as déjà bivouaqué euh, à une certaine altitude la nuit moi je suis toujours surpris de, de ce silence euh, parfait et parfois c'est quasiment assourdissant en fait parce qu'on n'est tellement pas habitué à avoir un silence parfait sans aucun bruit euh, que j'ai l'impression que notre oreille notre cerveau ne comprend pas vraiment et que euh, moi je me rappelle au tout début j'avais des espèces de bourdonnements dans les oreilles et c'est vraiment euh, que en randonnée que je, je peux observer euh, euh, ce silence qui est parfait. Et bon, la contrepartie de ce silence, c'est que le moindre bruit qui arrive, euh, ça peut faire un peu peur parce que tu te dis qu'il y a quelque chose dans les parages. Ce que j'apprécie beaucoup aussi avec la randonnée, c'est le rythme en fait. Euh, quand tu pars plusieurs jours dans la nature, ton rythme il va complètement changer. Euh, c'est d'ailleurs fou à quel point on s'adapte très très vite. Et en fait, tu vas te lever avec le soleil, tu vas te coucher avec le soleil. Et c'est vraiment quelque chose qui est, il y a une certaine, une sorte d'harmonie un peu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est justement qu'on profite vraiment de l'instant présent, il y a très peu de distractions, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de pollution sonore, de pollution visuelle. C'est voilà, vraiment quelque chose qui est assez reposant. Ce que j'aime beaucoup aussi avec la randonnée, c'est que ça procure un sentiment d'accomplissement, parce qu'en fait, on a plein de petits objectifs chaque jour qu'on va réussir. Tu vas planifier ta journée pour le lendemain, là où tu souhaites manger le midi, là où tu vas arriver le soir. Et ce qui est assez marrant, c'est que parfois, juste avant d'arriver, tu n'en peux plus. Tu es en train de monter un col, ça n'en finit pas. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là Plus jamais. Et en fait, le soir, tu arrives, tu as rempli cet objectif et c'est hyper satisfaisant. Et euh, tu manges bien, tu dors, et le matin quand tu te réveilles, euh, tu es motivé, tu as vraiment envie de partir. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose que, que, que j'apprécie beaucoup. Et puis en randonnée, j'ai également ce sentiment de, de liberté, parce que quand euh, tu pars et que tu es complètement autonome pour euh, dormir, euh, manger, boire, c'est vraiment quelque chose qui est euh, très satisfaisant. Alors bien sûr, tu dois un peu baisser ton niveau de confort. Euh, mais euh, je ne sais pas, il y a quelque chose d'assez euh, rassurant de se dire qu'on a tout ce, qu on, tout ce dont on a besoin, l'essentiel, et euh, avec nous, sur nous, euh, on le porte tous les jours dans notre sac à dos. Les bienfaits de la randonnée, j'ai l'impression vraiment qu'il y en a des centaines, euh, que ça soit euh, bien sûr le fait juste simplement d'avoir une activité physique. Mais également, ce que je disais un peu tout à l'heure, il me semble d'un point de vue psychologique, ça peut aider. En tout cas, moi, ça m'aide à assouvir un peu ma curiosité, ça m'aide à stimuler ma créativité, à avoir de nouvelles idées, de nouvelles idées de projets. Et dans ce sens, je pense que la randonnée, ça peut être un peu un, un premier pas, justement, un premier déclic pour réfléchir sur soi, un peu changer sa vision des choses, changer de, de paradigme. Je pense voilà, que la randonnée, c'est assez propice. À la remise en question, à l'introspection. Euh, et voilà, Et ça, c'est des activités, on peut dire, que j'affectionne. Et je pense que le fait d'avoir des paysages comme ça qui sont euh, immensément grands, avec l'horizon qui est à l'infini, ça permet d'avoir euh, à la fois donc, une vision, donc, euh, ce que tu vois, mais également une vision, on va dire, dans ton esprit, euh, la plus large possible, contrairement à quand tu es en ville, où tu vas avoir toujours l'horizon qui est bloqué par une maison, un immeuble. Voilà, je pense que tu peux voir un petit peu comment euh, j'aborde la randonnée et ma vision de la randonnée. Je voulais profiter encore euh, de te raconter quelques réflexions que j'ai eues sur la randonnée. La première, ça peut paraître un peu un, un paradoxe. Euh, ça concerne l'introspection et le fait que quand tu souvent en tout cas pour ma part quand je marche, on ne voit pas son reflet. Ça, j'aimerais bien savoir si d'autres personnes ont également expérimenté ça. Donc, euh, quand tu pars à randonnée, tu ne vas pas avoir ton, ton miroir, tu ne te vois pas tous les matins en train de te brosser les dents ou le soir en train de te brosser les dents. Et je trouve ça très euh, incroyable comment, euh, à quelle vitesse on perd un peu euh, l'image qu'on a de nous-mêmes. Parce qu'après, il suffit que quand tu rentres euh, dans un magasin, quand tu traverses une ville, tu vas dans les euh, toilettes d'un restaurant ou d'un bar. Et moi, je sais que dès que je me vois dans le... Dans le... <laughs> Dans, dans le miroir, ça me fait un, un, toujours un peu un choc. Euh, alors parfois parce que j'ai l'air un, un peu fatigué, un peu euh, marqué euh, par la nature. Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on oublie un peu euh, à quoi on ressemble. Et euh, je me fais surprendre régulièrement. Euh, et après, je passe un peu de temps à... À voir un peu à quoi je ressemble. Je trouve ça assez intéressant, ce paradoxe apparent entre le fait de plus se voir, mais en même temps le fait de, de, de faire un travail et une introspection très importante. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le sentiment quand j'ai passé plusieurs jours en haute montagne et que je redescends dans les premiers villages. C'est un peu le retour à la civilisation. Et c'est assez incroyable parce que j'ai toujours cette impression d'avoir vécu une sorte d'odyssée, même si je suis parti que depuis quelques jours. Et justement, ça me permettre de faire le, la transition vers le point suivant. C'est vraiment la relation au temps dans la randonnée qui est assez particulière. Le temps, il passe à la fois très lentement et très rapidement. Il passe très lentement parce que avant tout, tu, en fait, tu, tu vis à la vitesse à laquelle tu marches, donc parfois ça peut être très lent. Et surtout, c'est qu'en fait, il suffit de passer, euh, même si jamais tu as déjà fait euh, l'expérience d'un bivouac en forêt, c'est tellement euh, ressourçant. Moi, je sais que si jamais je, je pars, euh, même parfois juste une balade sur euh, une après-midi, mais encore plus quand c'est déjà quelques jours, euh, j'ai l'impression d'avoir euh, d'être parti pendant euh, plusieurs mois. C'est vraiment un sentiment qui est assez que je retrouve vraiment que quand je fais de la randonnée. Et de l'autre côté, ça passe très rapidement parce que tu pars marcher, puis c'est déjà le dixième jour. et Il te reste déjà plus que quelques étapes pour finir ton tour qui, au début, te semblait infinissable. Et voilà. Donc, c'est vraiment le rapport au temps en randonnée est vraiment quelque chose de, de très particulier et que j'aime beaucoup. Une autre réflexion que j'ai eue, c'est le goût de l'effort. Et en fait, c'est n'est pas vraiment comme on pourrait le comprendre euh, avec cette expression qu'on entend parfois, mais c'est vraiment que j'ai remarqué qu'après avoir fait un, un effort comme une journée de marche, euh, j'ai l'impression de, de plus apprécier euh, ce que j'ai devant moi, que ce soit au niveau de la beauté du paysage ou même d'un point de vue euh, gustatif, ce que je mange. Et je suis persuadé que, euh, imaginons que pour accéder à un sommet, tu as le choix entre prendre un téléphérique ou marcher. J'ai l'impression qu'arrivé en haut, tu vas, le, le paysage sera plus beau alors que techniquement, il sera le même. Euh, et pareil pour la nourriture, c'est-à-dire que euh, tu, tu marches toute la journée ou toute une demi-journée et tu manges un, ton sandwich avec une vue magnifique, euh, le sandwich, il aura un goût, euh, ce sera le meilleur sandwich que tu aies jamais mangé. Quoi. Et je suis persuadé que ce même sandwich-là, si tu le manges chez toi, assis sur ton, sur ton canapé, eh ben, il ne va pas te procurer la même quantité de... De plaisir. Je pense que ça peut sûrement s'expliquer peut-être avec une histoire de, de molécules ou d'hormones. Si jamais tu as des informations, je suis preneur. Et voilà, je trouve que ça, le, cette expression, le goût de l'effort, prend un peu un nouveau sens, une nouvelle saveur justement. Alors je voulais te partager une dernière réflexion sur un peu les rencontres qu'on fait quand on fait de la randonnée. Alors déjà, il y a une règle qui est un peu, il me semble, universelle. C'est quand tu randonnes tu, et que tu croises d'autres personnes qui randonnent également, tu dois leur dire bonjour. Alors ça permet. Ça paraît en tout cas un peu bizarre comme règle mais quand tu es dans la plupart des grandes villes et que tu croises des gens dans la rue tu leur dis pas bonjour et je pense justement que c'est une question avant tout de nombre et justement je te parlais tout à l'heure un peu de se sentir en harmonie et j'ai l'impression que le, le, comme tu vas pas croiser beaucoup de monde le peu de personnes en tout cas pour ma part que je croise euh, je ressens le, le besoin, en tout cas ça me, ça me plaît d'aller vers eux, de leur dire bonjour, d'avoir une discussion, euh, d'échanger deux, trois mots, même s'ils ne sont pas dans la même direction que moi. Euh, et, et ça, je pense, c'est le fait qu'on es beaucoup moins sollicité, en fait, quand tu es en randonnée, tu croises beaucoup moins de personnes, et c'est quelque chose qui serait euh, tout à fait impossible de faire euh, dans les grandes villes. D'ailleurs, j'ai remarqué que justement, parfois, dans les grandes villes, euh, il suffit d'être dans une rue où il n'y a personne, ou d'être le matin très tôt. Et les personnes que tu vas voir à ce moment-là, bah, tu vas leur dire bonjour quasiment euh, spontanément. Alors qu'à partir d'un certain nombre, il bah, n'y a plus de courtoisie. En tout cas, même, physiquement, c'est même plus possible de dire bonjour à tout le monde. Et c'est pour ça que d'après moi, en randonnée, il y a justement cette euh, harmonie, euh, ce rapport à la fois aux autres et à la nature qui est euh, équilibré. Mon témoignage est terminé. Si jamais tu souhaites voir les autres vidéos, je te mettrai en description le lien vers le site internet. Tu peux également retrouver des autres vidéos directement sur YouTube via le hashtag Grandopassion ou via la playlist. Et si jamais tu souhaites toi aussi apporter ton témoignage, c'est tout à fait possible. Je t'invite à aller voir le site internet ou me contacter via email ou via Instagram. Je te remercie beaucoup pour ton attention et je te dis à la prochaine. Je voulais finir cette vidéo avec une citation sur la randonnée de Franck Michel Défi à la vitesse et au bruit, la marche incite à la modestie, pousse à la curiosité, encourage au silence, suscite la méditation, elle invite au repli, à l'intimité, à se taire pour mieux écouter.